Salut à tous, c'est Lilkos et bienvenue dans ce troisième épisode de Zelda Twilight Princess HD. Alors la dernière fois, nous avions pêché un petit poisson pour le chat de Négocia, la propriétaire de la boutique. Comme ça, nous avons pu acheter un lance-pierre. On l'a montré au gosse. Et donc voilà. Et après, on a vu aussi un singe. Un singe farceur en fait qui s'amusait avec les enfants, mais il se trouve qu'il s'est fait prisonnier avec l'un des enfants et on les a sauvés. En gros, c'est ça. Et après, on est retourné à la bergerie et Epona s'est fait un peu mal durant toutes ses péripéties. Et du coup, Iria l'a emmené dans la fontaine, donc dans la source, on va dire. Donc, c'est parti, on va rechercher notre cheval. Notre jument plutôt, hein. Linkos, tu vas voir Iria? Je voudrais venir moi aussi, mais il ne me laisse pas passer. Dis Linkos, on peut y aller ensemble? Bah pas de problème, mon petit Colin. Allez Linkos, allons-y. Mais oui, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle, c'est Anaïs. Linkos, te voilà. Linkos, dis, tu pars pour le château d'Hyrule, c'est ça? Tu as de la chance, j'aimerais bien y aller moi aussi. Non, vraiment, les habits d'ici ne me mettent pas en valeur. Eh oui, pauvre de toi. On avait réussi aussi à récupérer notre petite épée en bois. Hein. On va encore continuer à récupérer quelques rubis. Ah. On t'attendait, Linkos. C'était super hier, hein? Même qu'on a attrapé le singe, hein? Regardez le bébé, là, comment il s'agite. Je te jure, Balder, t'aurais dû voir ça. C'était trop fort. Je parie qu'en fait, c'est le singe qui t'a attrapé. Hé, hey Colin! Qu'est-ce qui t'a pris d'appeler ton père au secours? Du coup, nos parents savent ce qu'on a fait. Notre père nous a passé un sacré savon. J'ai cru que c'était la fin. Je suppose que tu vas aller voir Iria. Eh ben, je ne te laisserai pas passer. Dis, Inkos, prête-moi l'épée en bois. Si tu me l'avais donnée hier, j'aurais pu attraper le singe tout seul. Allez, c'est pas grave, non. Prête-moi l'épée en bois. En fait, on n'a pas le choix parce que si on fait désolé, mais non, vous allez voir. Hein? Mais pourquoi? Allez, quoi? Sois sympa. De toute façon, on bougera pas tant que tu nous l'auras pas prêté. Tu as compris, Linkos? Ouais. Pas le choix, quoi. Allez, voilà. Oui, bon, d'accord. Ouais, génial! Content, hein? Avec ça, il va voir ce qu'il va voir. Ah bon? Linkos. Merci beaucoup. Ces deux-là, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à agiter ce truc dans tous les sens. Moi, en tout cas, j'aime pas. Et puis, c'est dangereux. Mais à part ça, pour moi. Et à part pour ça, moi, quand je serai grand, je veux être comme toi, Linkos. Il faudra que tu m'apprennes à monter à cheval. Tu veux bien? Alors, c'est promis, hein? Mais oui, petit Colin. Et pendant ce temps-là, les enfants s'entraînent. Bon, allez, on va récupérer notre jument, Epona. Et on va prendre la direction pour le château d'Hyrule pour apporter un petit cadeau. Alors du coup, oh le petit écureuil. Alors, on va... Ah mais oui, c'est vrai, c'est fermé ici. En fait, je savais que c'était fermé, mais c'était pour vous montrer. Et bon, je redécouvre aussi en même temps que vous, hein. Donc, je prends mon temps. Hein. Sur cette aventure, je vais prendre mon temps. Que ça soit à 100% ou non. Mais je prendrai mon temps. Ça, soyez-en sûr. Ok, on va aller par là. Ah non, mais ça. Soyez-en sûr. Encore une fois, je le répète. Je ne savais pas. Mais Colin!
Epona, tu t'es blessé à cause de lui, mais c'est quand même lui que tu préfères. Ne t'inquiète pas pour elle, Lycos. Heureusement, la blessure n'a pas l'air sérieuse. Vous pourrez partir ensemble. Il n'y avait pas de blessure, c'était un petit peu de jalousie, hein, ma petite Iria. Mais Lycos, je voudrais que tu me fasses une promesse. Il y a un mais. Quoi qu'il arrive pendant ton voyage, reste prudent et fais attention à toi, d'accord? Reviens sain et sauf. Lynn, que ça lui fait de l'effet. Un événement inattendu. Il cherchait l'île, ou pas? Il se passe des choses pas très nettes. Ça me donnera toujours des frissons. Allez, on va sauvegarder. Et nous revoici ici. Enfin, nous voici dans un endroit inconnu. Alors là, ce n'est pas ce qui était prévu. Changement de plan. Et donc voilà, on se retrouve aux commandes de Linkelou. Alors, je découvre les touches avec vous. Alors, creuser, ça serait Y. Ok. Bah, on a été attaqué par des gobelins et par un orc qui nous a pas vus. Et en voulant sauver Iria et les autres, eh bien, on est tombé dans un autre monde. Après, on a vu que Link, ne pouvant pas supporter ce monde, s'est transformé en loup pour se défendre, et c'est sa forme inattendue en fait. Et on a vu aussi qu'il avait la Triforce du Courage. On a vu aussi quelqu'un qui l'a regardé et qui nous a peut-être emmené
Ici, c'est peut-être elle, on ne sait pas. En tout cas, nous sommes ici. Donc, par contre, là, pour s'échapper, ça va être un petit peu dur. Aha! Et une scène se déclenche. Eh oui, on est en loup. Trouver. Oh, j'ai peur. Tu es sûr que tu veux me faire une tête pareille? Ah là là, tant pis. Quand je pense que je venais t'aider. Voilà, c'est mieux. L'obéissance est une qualité très importante, petit homme. Oh, mais j'oubliais. Tu n'es plus un humain, n'est-ce pas? Tout doux, gentil chien. Et maintenant, ne bouge pas. Surpris? Alors, je parie que tu te demandes où nous sommes, non? Si tu me rejoins, je te le dirai. Petit bâillement de ce mystérieux personnage. Et croyez-moi, c'est un sacré personnage. Donc, nous allons chercher un moyen de la rejoindre. Et en fait, on peut aller ici normalement. Voilà. Et on peut creuser ici. Et on la rejoint. On dirait que tu es moins stupide que tu en as l'air. Tu me plais, je vais t'aider à sortir d'ici. Mais en échange, tu suivras mes instructions à la lettre. Si tu as besoin de moi, appuie sur L pour me faire signe. D'accord. Bien, tu as compris? Alors, en avant toutes. Waouh! D'accord, maintenant, on se retrouve avec Mid. J'allais spoil. J'allais spoil le personnage, mais je ne vais rien dire. Alors, attendez. Je cherche. Ah, voilà. Bien, brave bête. Quand tu as un problème, appelle-moi avec elle. Si tu es toujours bien sage, alors je t'aiderai. D'accord. Alors, par contre, ça me dit pas où je suis, hein. Alors là, pas du tout. On peut creuser ici. Ok, il y a des rubis. Ok, bon. Allez. Et on a ouvert ça. Ah là là là. Et nous voici ici. Waouh. Oh, tiens, tiens. Je vais te montrer quelque chose de très utile. Puisque tu es un loup, tu devrais être suffisamment sensible. Affine tes sens avec X et sois attentif. Waouh. J'espère que je suis assez loin pour être en sécurité. Non, n'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Alors, on dirait un soldat. Mais pour savoir où on est, il faut le faire. C'était l'âme d'un soldat. Peut-être qu'elle vient de l'autre monde. Il y a encore plein d'âmes dans le coin. Aiguise tes sens avec X et parle-leur. Peut-être que ces soldats savent quelque chose.
Eh oui, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, on va monter ici. Hop, on saisit ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Alors, il y avait un rubis de 5 et là. Ok, d'accord. En tout cas, ça se contrôle bien, Linkelou. Je vois que tu n'es pas encore habitué à ton nouveau corps. Alors laisse-moi te donner un conseil. Souviens-toi de ce que tu faisais en tant qu'humain lorsque tu devais combattre. L'instinct de survie, ça ne s'oublie pas? Oui, je sais, t'inquiète pas. Je l'ai bien remarqué avec les contrôles, hein, que c'est ressemblant. Oh, il y avait un ennemi là. Assez dangereux. Et je vous rappelle qu'on est en mode héroïque. Ce qui rend la chose bien plus difficile. Ce qui rendra les combats à venir bien plus difficiles. Et ça va être assez chaud. Ok. On perd pas de temps. On va activer ça, la Vando. Et là, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Qui est ce personnage? Ah là 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 là. Si vous saviez. Ah. Enfin, vous le savez sûrement si vous me regardez. Après, je ne sais pas. On va aller. Ici, est-ce que on y est allé? Ok, il y avait un ennemi qui ne pop rien. Alors. Ok. Oula, oula, oula. Ok. Faut pas perdre de cœur, hein, surtout. Ok, ici, il n'y a rien. Eh bien, on peut continuer. On peut continuer par là, hein. Ah ouais, mais attendez, attendez. Non, c'est bon. On peut continuer par là, je dirais. Oui. Bon, il y a un autre esprit. C'est quoi au juste ces monstres noirs? D'où ils sortent? Il faut que je me tire d'ici. Et vite, la sortie. Où est la sortie? Ouais, mais mon gars, en fait. Alors attends. J'ai cru voir un ennemi. Voilà. Oula. D'accord. Par ici! Par ici! Je n'aime pas attendre, alors dépêche-toi de trouver un moyen de passer. Il nous a vus, lui, cet ennemi. Non, 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 non! Attention, hein. Voilà. Faut faire très attention à ces ennemis du crépuscule. Parce que là, en fait, ici, c'est le monde du crépuscule. Je ne dévoile pas trop, hein, pour ceux qui me suivraient et pour ceux qui découvriraient le jeu. Hein. Oula, et vous avez vu? En mode héroïque, ça ne rigole pas. Mais genre vraiment pas du tout. Alors par contre, ouais, vous avez vu, on peut pas s'équiper d'objets. Alors ici, un petit rubis. Et il n'y a pas de cœur aussi en mode héroïque, ce qui rend la chose encore plus difficile. Eh oui. Donc on va aller ici. On va faire attention, hein. On va saisir ça. Ok, encore des ennemis. Oh là là là, eh, on est mort, on est presque mort, hein. Vous avez vu la difficulté? Eh ben voilà la difficulté. Ces monstres noirs, qu'est-ce que ça peut être? J'ai jamais rien vu de pareil. Je me doute. Par contre. Ouais, on peut pas s'équiper des objets. Hein. C'est ça. Ce qui rend la chose encore plus difficile. Eh oui. Bon. Et on n'a pas de cœur. Ça va être chaud. Vraiment chaud. On risque d'avoir plusieurs game over, hein, peut-être aussi.
Ah ouais, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, on est ici. Alors toi, par contre, pour te rejoindre, ah bah on va passer par là. On va passer par là. Alors, voilà, on peut agiter comme ça. Alors, déesse, je vous en supplie, je ne suis qu'un innocent soldat. J'implore votre miséricorde. Sauvez-moi de ces monstres noirs. Ah! Ah oui. Alors, ici. Eh ouais, on n'a pas de cœur. Hein. On n'a pas de cœur. Aucun cœur. Alors, ce détour, c'était comment? Au fait, tu aiguises bien tes sens avec X de temps en temps? Apparemment, toutes les âmes qui errent ici appartiennent à des soldats. Où est-ce qu'on peut bien se trouver en ce moment? Tu as envie de sortir d'ici? Alors, en avant toutes! Bah oui, bien sûr. Au fait, je ne fais pas les demi-donuts parce que bon, ça va devenir saoulant à la longue. Alors, par contre, ok, d'accord. Non, mais qu'est-ce que tu fabriques? Lui, on l'a vu. Je l'ai vu. Il va falloir faire vraiment très attention. Ah. Il faut vraiment tout expliquer alors. Je vais te montrer où sauter. Alors vise-moi avec ZL et appuie sur A. Ok. Attention hein, aux ennemis éventuels. Ah là. Ok, on continue. Alors, il y a une corde ici. Ah, on peut pas bouger la caméra, tiens donc. Faut vraiment être vigilant. Mais vraiment. On n'a pas de cœur. C'est vraiment très 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 dangereux cet endroit. En héroïque. Ok. Oula, oula, il y a des chauves-souris. Vous avez vu? Ok, c'est bon. On les a eus. N'y a pas des cœurs ou des fées parce que c'est vraiment chaud. Ah non. Ok, bon. Par contre, pour aller ici. Ah, il faut aller ici. Au fait, tu commences à avoir une idée de l'endroit où on est? Chuk-chuk-chuk. Bon, je fais pas, vous avez vu, c'est ridicule. Bah, si tu vas jusqu'en haut, peut-être que tu comprendras. Moi, je ne dirai rien, mais je sais où on est. Ok, nous sommes sortis. Bon. Waouh. Vous avez vu le symbole de la Triforce? Bon. Le monde là, c'est un monde parallèle. Hein. Vous avez bien remarqué. Enfin dehors! Ah, regarde ce ciel! Les nuages noirs du crépuscule montrent aujourd'hui encore toute leur splendeur. Bon, maintenant, tu sais où on est? Là quand même, toujours pas? J'aimerais te présenter quelqu'un. Tu vas venir ju avec moi jusqu'à la tour, là-bas. Ok. La tour qui est là-bas, qu'on voit au crépuscule. Bon, par contre, là, ça va commencer à devenir vraiment chaud, hein. Je veux pas vous dire, mais on risque peut-être de mourir une fois, hein. Tiens, il y a des âmes qui se promènent même ici. Dis, tu n'as pas remarqué un truc bizarre? Ils arrivent à voir les monstres, mais ils n'arrivent pas à te voir toi. Tu ne me crois pas? Eh bien, vérifie si ça te chante.
Aiguise tes sens avec X. On va voir cela. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux énormes? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? C'est le château de Dirul ici. C'est pas n'importe où quand même. Là, gros spoil. Il nous a révélé l'endroit où nous sommes. Nous sommes bel et bien au château d'Hyrule, l'endroit où nous devions nous rendre. Mais là, on n'y est pas comme prévu pour les mêmes raisons, hein. Ce n'est pas lui que je veux te faire rencontrer. Allez, un peu de courage, va jusqu'à la tour là-bas. Pas de problème. Alors, pour cela, on va pousser cette caisse. Voilà. Allez, on monte encore. Ok, on y va doucement, hein. Alors toi, on fait attention à ses ennemis. Voilà, il faut surtout pas nous mourir, hein. Je le répéterai pas assez, mais il ne faut pas mourir. Alors ici, on peut pas y aller, hein, apparemment. Ce qui est bien, c'est qu'on peut dézoomer la caméra et voir ce qu'il y a autour, en fait. C'est vraiment excellent. Heureusement qu'ils ont pensé à ça, hein. Oh. Ok. Non. Oula, oula, attention, hein. Ok. C'est très dangereux, hein. Vous avez vu? Faut être sacrément vigilant. Ah. Ah d'accord, on peut saisir les crânes. Ici, ok. Ah, Midona. Allez, tu y es presque. Ok, d'accord. Un petit rubis qu'on récupère doucement. Ok. Il y a des ennemis encore ici. Hein. Et il n'y en a pas qu'un petit peu. En plus de cela. Ok. J'y vais vraiment doucement. Hein. Ok. Bon. Alors, ici, lui, il faut l'avoir. Ok. Ok, très très bien. Par contre, il faut remonter. Voilà. Et il y a encore lui. Ok, attention! Non! Oh, on est mort. D'accord, ce bug. Ah là là, premier game over. Allez, on continue. Et par contre, on est où? Ok, on est là. Ça fait office de checkpoint ici. Ok. Yes, bien joué. Bon allez, je ne coupe pas ce passage hein, parce que bon, ça met pas, on met pas non plus des éternités. Hop, hop, on refait le parcours. Et cette fois-ci, on va speeder. Quoique. Ok, on en a eu un. Et on en a eu deux. On a eu le deuxième, c'est très bien. Un petit rubis bleu même. Et on peut aller ici. Ouais, on va y rentrer, on va y aller. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok, il n'y a rien. Et il y a une porte ici.
Et ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais m'arrêter là. Eh oui, je vais m'arrêter là. Juste ici. Regardez, il y a une personne ici à la fenêtre. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce troisième épisode de Zelda TPHD vous aura plu. On découvrira qui ce mystérieux personnage veut-elle faire nous voir. Et donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à la commenter également, et on se retrouvera pour le quatrième épisode. Allez, bye tout le monde!